après avoir remporté à Monaco 20 novembre. Le CSP de Limoges l'a fait à Beauharnois ce dimanche pour 25e jour de Betclic Elite. Jordan Lloyd et John Brown 3. Desi Rodriguez secoue comme Monaco est bien à gauche. Avec une adresse de 3 points des grandes soirées et un excellent long, Nicolas et Desi Rodriguez. Limougeot était généralement derrière à la pause. Et si les visiteurs ont abandonné au quatrième trimestre, Limougeot ne se sont pas cassés. À moins 6, moins 8, nous avons continué à rester dedans. Ce que nous avons fait beaucoup au début de la saison. Commenté à le microphone beIN Sport Nicolas Lang. Absent en janvier et février. Le petit intérieur New York a littéralement fait revenir ses adversaires, et sa famille au cours du quatrième trimestre. 2.13. 8 rebonds et 3 passes décisives pour 12 évaluations en 28 minutes. On put compter sur Bryce Jones. Le manche gauche a marqué un 3 points très important sur service d'Essi Rodriguez. Puis il a fait payer le commutateur défensif de Donta Hall pour aller la ligne des lancers francs. Et a donné 2 possessions à l'avance sa famille. Succès synonyme d'un bilan équilibré. Limoges à 12 à 12. Monaco toujours en grande partie en tête si Limoges n'est pas encore dans top 8. Ce succès a fait penser que Saint-Pierre Circle, la seule équipe à avoir battu l'ASM 2 fois. Cette saison avec Fenerbahçe et JL Bourg a la potentielle de Gohan une place en séries éliminatoires. Monaco n'est pas nécessairement le match que vous cochez avant le début du championnat. A déclaré Nicolas Lang, qui reste pragmatique malgré cette grande victoire. Cependant, nous avons gagné 2 fois contre eux cette saison. J'espère que ce n'est pas seulement un feu paille. Que nous pouvons réussir à chaîner sur d'autres jeux. Nous devons avoir une certaine cohérence. Et non seulement de produire contre les équipes l'Euroleague. Pour Monaco, ce premier revers en mars a peu d'impact. .et le point d'alarme, sur les Métropolitains 92. Qu'ils reçoivent lundi prochain. Cliquez ici pour accéder aux statistiques de la Réunion.